Bon, alors. Bon, le son, ça a l'air d'être bon. Ouais, le son, pas de grésillement. Ok, c'est pas comme samedi, comme hier matin, pardon. Ouais, on était samedi. Bonsoir à tous. Je regarde vite fait, qu'est-ce qui se passe? Vous hébergeurs, qui m'héberge? Ah, merci beaucoup Kikou pour l'hébergement, merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que pour mes amis les étudiants, vous êtes prêts à affronter eh bien, une nouvelle année scolaire. Et oui, il va falloir reprendre les chemins de l'école demain. En attendant, on n'est pas à demain, on est encore le week-end. Et qui dit week-end dit... Bon, il n'y a eu pas de game du week-end, mais il y aura quand même du game, voilà. Et du week-end aussi, un petit peu, mais ce ne sera pas un game du week-end. Pourquoi? Parce que j'ai pris un petit peu de temps pour moi, j'étais un petit peu fatigué. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne m'aviez pas vu beaucoup, notamment hier soir. J'ai préféré prendre ma soirée tranquille, et voilà, comme vendredi, de toute façon, c'est pareil. Je ne pouvais pas, j'avais trop de retard pour faire le live. Ça n'aurait pas été intéressant pour moi ni pour vous. Donc bon là c'est vrai que j'allais pas tester un jeu pour quelques heures hein. Ça aurait été juste ce soir et c'est tout. Si peut-être un peu cet après-midi. Mais non ça aurait été juste de tester un jeu. Donc pour éviter de vous laisser sur votre faim, c'est vrai que je vous ai fait une petite session hier matin de Splatoon. Et ce soir eh bien je vais continuer le petit jeu Résistance. Bon la quatrième partie, soyez pas surpris. Je ne l'ai pas faite en live, mais vous avez quand même accès, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, vous avez quand même accès à cette quatrième vidéo si vous ne m'avez pas suivi. Si vous m'avez suivi, sur les trois premières vidéos et que vous n'avez pas vu la quatrième, bon, bah à la rigueur, je vous conseille de regarder ce live en léger différé et de regarder d'abord la quatrième partie qui dure à peu près une heure et demie. Voilà, bon, je vais continuer, je suis pas loin de la fin. Je m'étais buté sur un ennemi, c'était quand? Jeudi soir? Salut Eric, comment ça va? Comment ça va? Est-ce que ça va mieux par rapport à vendredi? Donc là, de ce que j'ai pu voir, il restera à peu près une heure et demie. Enfin, pour moi, il va me rester plus d'une heure et demie. Donc je pense pas le terminer ce soir le jeu. Sauf si vraiment j'ai de la chance et que j'y arrive très bien. Mais bon, c'est histoire d'avancer et puis pour pouvoir le terminer dans la semaine. Ça va mieux. Donc. T'as pas eu de problème. Enfin bon, voilà, après, je vais pas trop parler de tes problèmes, tes petits soucis en live. Tant que ça va mieux, ça me rassure. Surtout que je pense que tu vas être. Tu vas reprendre une année scolaire là, demain, je pense. Je suis quasi sûr que tu vas recommencer les cours demain. Donc la forme, hein, forcément. Je décidais de croire que Hale avait raison. Je convainquis les Américains de nous aider à lancer une attaque sur la tour. Nous acheminions tous... Ah, c'est mardi, vous? Ah, d'accord. Non, parce que chez nous, c'est lundi. C'est pour ça. Mais ah, c'est bien, ça te fait une journée de plus pour te reposer, préparer tout ça. Sachant que je pense que tu seras un petit peu baigné dans le rythme de l'école dès demain. Donc là, je vais dire un petit peu, mais je le relis un petit peu, c'est ce qui est écrit, parce que la caméra... empêche de lire tout le texte. C'est un Paris désespéré, périphérie de la ville Londres, Angleterre, 14 juillet 1951, 5h05 GMT. Voilà, pour ce qui est caché par la caméra. J'ai lu tout le paragraphe, mais bon, ça, c'est pas grave. Alors, que se passe-t-il ici? Mais c'est bien si tu commences mardi, ça, parce que ça fait une petite semaine, ça fait 4 jours. Ceux qui commencent lundi, ils ont 5 jours direct, quoi. Au moins, toi, tu vas commencer progressivement. Ça, c'est bien. Moi, je suis d'avis pour que les rentrées des cours se fassent le mardi. Pas avant. Alors, je vais regarder vite fait, je vais faire un petit inventaire. Alors, le nettoyeur, j'ai que dalle. La Rossmore, je n'en avais même pas 20. Fusil de précision, de toute façon, je suis pas à l'aise avec. Le Grêleur, par contre, c'est bon. Le Foreur,
Le foreur, j'ai du mal à voir en fait les chiffres qui sont à côté, mais c'est pas grave. Je vais prendre la carabine. Toc. Voilà, allez hop, c'est parti mon kiki. Oh! Ah mais ils viennent par là en plus! C'est que vous êtes violent, hein! Oh putain, je vais prendre le grêleur. Voyons, ça. Ils font mal, les mecs, hein, quand même. Bon, sinon, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Vous n'êtes pas trop ennuyé. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Quel jeu avez-vous joué, si vous avez joué? Ah! Allez! Remonte! Remonte la vie! C'est cool là. Oh la vache, ils sont violents. Ils font très mal. Ils font très mal les mecs. Comment ça se fait que je me fais latter là? C'est pas possible. Ah oh, bah c'est balèze. Mais déjà l'autre jour j'en ai... J'ai galéré. Je vais pas être vulgaire. J'ai galéré. Mais là, là c'est quand même balèze. Et je suis en facile. Je voudrais de la vie, s'il vous plaît. Ah, il y en a un qui est mort. Ah, ils sont devant. Il y en a un qui est caché là. Ah, ils sont deux. C'est balèze, hein. Tac, allez. C'est bon. Il me reste un, il va pas me toucher quand même. Yes, c'est bon. Eh, j'ai eu de la chance, hein. Mais j'ai réussi. Hop, on va récupérer de la vie s'il y en a un peu partout. Il n'y a pas de vie là. Si, nickel. Bon, oh, c'est génial. C'est cool. J'ai réussi. C'est cool. Et il n'y avait pas. Il n'y a pas des choses à collecter. Des fois, il y a des dossiers à lire.
Comme il y a plein de feuilles par terre. Bon, bah là, ça c'est fait. Là, j'ai de la vie là-bas aussi. Pas de vie. Il faudrait une autre, un autre quart de vie, comme ça je serais tranquille. Je serais vraiment à fond. Là, j'en ai un là. Il suffisait de demander. Voilà. Ça y est, ça revient. Il me laisse pas respirer, hein, quand même. Enfin, très peu. Merde. Ah mais la vache, comment... Oh merde, j'ai visé le pot... Oh le boulet, mais non, mais non. Je vais y arriver comme ça. Je ne vais pas y arriver comme ça. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai eu de la chance. Oh punaise. J'étais à deux doigts. C'est vrai que ce jeu est vraiment dur. Je suis en facile et je me galère. Quoi. Bon, je suis vers la fin quand même, mais. J'en ai pas large. Voilà, hop, je suis à fond. Oh. Ah punaise, il fait mal. Il fait mal, il fait mal, il fait mal. Taille haut, je me casse. Au grand remède des grands moyens. Tiens, tu vas le bouffer mon grelère. Oh là, ça suffit, oui. Bien, ok. Ah, s'il faut que je fasse le tour. Là, j'ai pas besoin de la vie pour l'instant, mais peut-être que j'en aurai besoin dans très peu de temps. Là, c'est bon, c'est fait. Ok. Oh, oh, oh. Manqué. Ça va, là c'était correct.
sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me veut du mal. Il y a quelqu'un qui me veut du... Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être pas une bonne idée d'aller là. Nain qui me canarde. Fallait pas gueuler, là. T'es grillé. Toc. Je comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai pris toutes les munitions là. Ah si, non, il y en avait là. Mais t'arrêtes de vous promener là? C'est comme les gamins qui se prennent en photo et qui arrêtent pas de bouger, mais c'est la même chose. Ils prennent pas la pause. Merde! J'aurais pas dû la prendre la vie là. Merci pour l'émission. Bon, alors, c'est bien ça, mais... Je viens d'ici, donc c'est pas possible, il faut que je... Peut-être que j'aille par là. Il y a peut-être un petit passage où se faufiler. Oh. Coucou. Oh, le sang. Y'en a d'autres ? Je l'entends. Je t'entends. Je ne t'oublie pas. Bon bah j'ai pas besoin de la vie. Bizarrement, là j'ai pas besoin de la vie. Désolé pour le gros mot. Cette traverse. Hop, grêleur. T'as plus pour moi. Ah, je m'en doutais. Oh la vache, je peux même pas tanker quoi. Ils sont tous au même endroit donc. Bon, je reviens là. Ça va encore. Ah ok, d'accord. Je sais où ils sont passés. Bon, en fait, le truc, c'est que j'ai eu la bonne technique d'aller ici. Comme ça, ils peuvent pas viser avec leur saleté de... Il faut juste que je surveille si les petites bestioles là qui roulent, qui vont passer par là. Les petites bestioles qui sont dénuées de cervelle au passage. Hein.
sait qu'il y en aura d'autres. Donc il faut aller dans l'hélico. C'est là où il va falloir la jouer. On va être peut-être avec son flingue là. J'ai pas pris, c'est bon. Hop. Pas vrai. C'est chaud ce passage là, mine de rien. Je peux pas les viser de loin. Si. Voilà. C'est un piège en fait, faut pas aller dans la petite cabane. On pense qu'on va se. On sera à l'abri, mais en fait non. C'est un piège. La preuve c'est que là j'ai eu moins de mal à les tuer. Bon, bah voilà, ça y est, c'était pas sorcier, hein. Par contre, je vais peut-être récupérer, il y a peut-être des munitions là-bas. J'aurais pu prendre, peut-être que j'aurais pu prendre ça. Je sais pas, je vais passer par là, je crois qu'il y en a ici. Non. Il y en a dans l'hélico. C'est nickel. Et là, c'était plein. L'englueur. L'englueur, je vois pas pourquoi je l'aurais pris ici, honnêtement. Ah, faut que j'aille dans la petite cabane. Alors. Il y a de la vie toujours. Généralement, quand il y a de la vie avant, c'est que on va me la retirer après. Oh la vache. Alors lui, il fait vachement mal.
Faut aller les... Alors, lui, il arrive à me tuer, et pas moi. Ah, je comprends rien du tout, je le vise, hein, pourtant. Où est-ce que je suis là? Ah d'accord, ok. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Elle devait être au-dessus de moi. Ça pue là. À chaque fois, je dis que ça pue, mais... C'est souvent que je me trompe pas, quoi. Quand il y a un petit passage comme ça, je viens de récupérer de la vie, quelque chose me dit que va y avoir de la baston. Là, c'est un truc que je suis à découvert, il y a de la munition, il y a tout ça. C'est bizarre, hein, quand même. Ah, j'ai déjà perdu un truc de vie. Cadeau de Noël. Ouais, il y a de la vie, c'est bon. Salut Xerox! Toi, c'est pour mardi aussi? Ah bah, comme Eric. Vous êtes tous du... C'est bizarre? Ouais, mais ça dépend... Ah, en fait, ça dépend peut-être aussi des... c'était les... Les académies, c'est pour ça. Je sais que l'Académie de Nantes, Nantes et Rennes, je crois qu'ils sont, ils doivent, enfin toujours Nantes, ça c'est sûr, ils reprennent demain. Donc vous avez de la chance, vous avez une journée de repos pour vous. Alors, c'est fermé là? Je peux pas passer. Pardon. Ah oh, non, c'était caché. Alors... Yes, j'ai fini, c'est cool, j'ai fini. J'ai fini le chapitre. Waouh. C'est énorme. Je suis dans une zone dégagée. Je suis trop content. T'as fait une vidéo YouTube en gros, j'ai appris. Les... Ouais, alors je sais pas si t'as le droit de le faire, Xerox, et tout ça. Est-ce que tu as demandé l'autorisation du YouTuber en question? J'ai vu que tu m'avais partagé quelque chose et c'est pour éviter que tu aies des emmerdes, honnêtement. Alors, pour le message qui est. Le texte qui est caché par la caméra, c'est la glace et le fer, périphérie de Londres, 7h42 GMT. Tu ne l'as pas demandé, donc moi je te conseille de lui demander avant de publier les vidéos. Parce que si c'est le youtubeur, enfin si c'est le lien que tu m'as envoyé sur Discord, j'ai juste eu le temps de voir que tu m'avais envoyé ça. Si c'est ce youtubeur là, t'inquiète pas qu'il va. Il va venir te faire ce.
Yes. Ouais, bah oui, t'inquiète pas que je vois qui c'est. Il a foutu le. J'ai des copains qui ont été embêtés par ce youtubeur-là, donc c'est pour ça. Je te conseille un truc, c'est de lui demander. Parce que sinon, s'il tombe sur tes vidéos, t'inquiète pas qu'il va te faire une misère. Ouais, mais si c'est marrant, justement, lui, il va pas trouver ça marrant. Donc, et en plus de ça, il aime pas trop. Il a déjà eu des, enfin, il a déjà causé des ennuis à des amis à moi qui sont pas youtubeurs, hein, et ça peut aller très très loin parce que là, ils ont pas encore fini. Ça fait des années que ça a commencé. C'est pour ça que je te dis, demande-lui. Mais s'il veut pas, tu les supprimes pour pas avoir d'emmerde. Je suis désolé du terme, mais. Parce que c'est. Il va te. Bah, il pourrait porter plainte contre plagiat, et là, par contre, ben. C'est toi qui auras les gros ennuis. Non, mais marrant, il a changé. Non, 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 pas spécialement. Peut-être pour des amis à lui. Mais moi, je te conseille quand même de lui demander. Honnêtement, même s'il laisse les vidéos aux gens, il n'est pas au courant, si tu veux. Il n'est pas au courant que toi, je sais pas si tu connais vraiment l'intimité, mais même si c'était un ami, faut quand même lui demander. Mais s'il laisse la vidéo, s'il y a certains youtubeurs qui l'autorisent à laisser les vidéos, c'est peut-être pas le cas pour toi. C'est ça que je veux dire. Et là, par contre, bah, il peut te fermer, il peut fermer ta chaîne YouTube. Donc, tu perdrais tous tes abonnements, tes vidéos, tout ça, tout ce que tu as préparé, tu perdrais. Donc, honnêtement, je préfère te prévenir. Après, c'est toi qui vois. Mais moi, je le connais pas personnellement, mais je sais de quoi il est capable. C'est tout. Même s'il a changé, enfin voilà. Bon, alors. Peut-être que je prenne ça. On va faire un tour de. Est-ce que je peux aller dans le tour? Ah! Yes, c'est bon ça. Alors, tu prépares le retour pour le remake. Ah, bah c'est bien ça. Déjà, si c'est tes créations, c'est bien. Si tu reviens sur tes créations, si tu peux. C'est vrai que ça fait un petit moment que t'en as pas fait. Est-ce que t'as eu un souci avec ton PC, je crois. Ça, il était tombé. Hein. Allez, bouffez ça! Vive l'armée de terre, je te le dis! C'est les Marines, c'est les Marines. Boum, allez! Avec ça, je suis invincible. Je crois qu'il y en a une autre qui. Précaution. Et ça arrive de partout. Allez. Avanti. Je crois que je suis coincé.
Alors? Il faut détruire le gros vaisseau qui est là, non? Que faut-il faire? C'est étrange. Ah! Ok, d'accord. Ils ont ramené de la compagnie! Allez, venez, mes petits bébés! Voilà! Venez dire bonjour à papa. Oh, la vidéo. Ouais, mais non, non, ça veut rien dire. Moi, je te dis ça comme ça, hein, Zarox. Hein. Je te dis ça, après, tu prends mon conseil comme tu veux. Mais généralement, mes conseils sont pas mauvais. Mais Kirby, si tu le connais comme un pote, bah tu lui dis vivement et puis il va te dire ok. Par contre, si tu le connais pas, je te dis... moi, je trouve... Entre une vidéo qui a que 50 vues, je suis désolé de dire ça, 50 vues, c'est pas beaucoup. Entre enlever une vidéo de ta chaîne et la conserver et supprimer ta chaîne parce que y a un youtubeur qui a vu que tu as fait un plagiat sur ses vidéos, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, quelle est la meilleure solution, quoi? Parce que dans les deux cas, ta vidéo sera supprimée. Et ta chaîne, par contre, tu la reverras plus. C'est ça le problème. Et le truc, c'est que tu risques aussi d'avoir une réputation de plagiat. Oui, ça peut partir en justice. Si ça va trop loin, ouais. Si toi, tu refuses de collaborer, si par exemple, il voit cette vidéo sur ta chaîne, qui dit, ouais, tu me la supprimes, s'il te plaît, tu me la supprimes, enfin, il va pas te le dire d'une façon gentille. Hein. Ah, au fait, ouais, j'ai vu que t'avais mis ta vidéo, t'as mis une vidéo de... que tu as transformé une de mes vidéos et que tu l'as mis sur ton YouTube, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, l'enlever, ce serait sympa. Je pense pas qu'il va te le dire comme ça, tu vois. Hein, tu vas recevoir un bel email pour dire, tu m'enlèves ta vidéo, sinon je te jure, ça va pas le faire. Ça va être un truc comme ça, ça va être vraiment méchant. Merde. Et si toi tu refuses de supprimer la vidéo, et bah ouais, il peut dire non, non, bah moi je te missionne en justice pour qu'on résoudre l'affaire avec un... Ah, comment il s'appelait? Comment on appelle ça déjà? C'est fini là? Où est-ce que je dois aller là? Ah non, c'est là. Mais ouais, c'est pour te protéger. Je sais que toi, t'as eu pas mal de soucis ces derniers temps. Franchement, ce serait encore de provoquer un autre problème. Moi, j'en ai eu j'ai des vidéos, en fait, parce que là, la différence par rapport à moi, par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir des vidéos. Ça m'est arrivé d'avoir des vidéos où je n'avais pas les droits d'auteur, notamment les vidéos où il y a de la musique. YouTube est gentil, me dit voilà, vous n'avez pas les droits d'auteur, vous ne pouvez pas garder cette vidéo là sauf à titre personnel, c'est à dire que la vidéo restera privée, et voilà. Mais là, dans le cas de cette vidéo là, c'est qu'en fait c'est pas de la musique. YouTube n'a pas forcément une banque de données assez complète pour dire, ah oui, ça c'est la vidéo de ce youtubeur là, on va lui envoyer un message pour lui prévenir que il n'a pas le droit d'avoir ce contenu là parce qu'il appartient à quelqu'un. Là, tu l'auras pas, ce truc là. C'est le bouche à oreille dans les réseaux sociaux, ça va très très vite. Et le truc, c'est que je te donne quoi, quelques semaines pour être grillé, et puis après, voilà, ça va très très vite. Mais là, il n'y a personne pour te prévenir, à part ceux qui connaissent un petit peu les règles de YouTube. Mais là, franchement, entre supprimer cette vidéo-là, je sais, ça te fait suer. Mais entre supprimer cette vidéo-là et fermer ta chaîne, je pense que le choix, il est vite fait, quoi.
Ah, voilà, ça c'est... Ouais, ok, parce que YouTube a une base de données musicale, tu vois. YouTube a une base de données musicale, donc ils peuvent voir à quelle vidéo appartient... Enfin, cette musique appartient à quel auteur. Mais toi, là, c'est pas une vidéo que tu transformes, c'est la vidéo de quelqu'un qui parle. Donc là, par contre, YouTube le voit pas. Par contre, cette personne-là, lui, va le savoir. Ce YouTubeur-là va le savoir. Il va le savoir parce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire « Ouais, en fait, ouais, t'es super connu, il y a quelqu'un qui t'a même transformé ta vidéo. » Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est... Normalement, on n'a pas le droit de le faire. Mais il faut faire très très attention hein, quand on partage du contenu sur Internet, il faut faire très attention. Ça va, c'est la petite promenade. Merde, y a pas un peu de vie là? T'as pas un point de vie? Ah bah c'est bon, nickel. Bon bah ça y est, je l'ai fait celui-là aussi. De quoi? Ah oui, de où il est, c'est ça, hein? Où il a des gaz, c'est ça, quand il fait des échecs. Ah, elle est marrante, hein, celle-là. Nos forces arrivèrent à Londres pratiquement indemnes. Ouais, ça. Nous n'arrivions pas à détacher nos yeux de la tour. Nous avions ça dure pas longtemps, hein. T'as trouvé la chaîne. Et la ville était déjà à peine reconnaissable. Il y en a, je sais plus, il y a peut-être une dizaine de vidéos, c'est tout. Ouais, d'un peu beaucoup, bah il en fait pas beaucoup. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment elles avaient pu changer le climat elles-mêmes. Bon alors, Sazarok, sinon, est-ce que t'as commencé la nouvelle saison de Diablo 3? Tiens, on va changer de sujet. Mais nous n'avions pas le temps d'y penser. Leurs forces gardaient déjà la tour, et il allait en arriver d'autres. Les tanks furent placés en formation d'assaut pour commencer la traversée du Tower Bridge. Les derniers tanks franchissaient le pont quand nous vîmes des Goliaths arriver par derrière. Nous devions détruire le pont avant qu'il ne rattrape nos tanks. Hale et quelques autres soldats assuraient la position de défense pendant l'installation des charges. Bon alors là, le texte qui est masqué, c'est « Pont enflammé, Tamise, Londres, Angleterre, 14 juillet 1951, 9h49 GMT ». Bon, la ligne du bas, je la lis quand même, hein, mais... Les trois lignes du haut, vous pouviez pas lire en complètement. Allez, j'appuie sur start. Et j'ai perdu mon tank, moi je voulais mon tank, il était bien mon tank. Yes, au rapport. Goddamn shit, goddamn shit. Alors, faut juste que je vois où est-ce qu'ils sont. Oh là là, oh là là. Alors. Ah, il y en a une autre. Bah merci. Et il est où mon tank là? Ouais, moi je veux bien, c'est mais c'est.
souvenir. Bon, alors là, par contre, ça pue. Ça pue parce que l'autre, en plus, il a vu que j'étais là. Là, il vient. C'est ça, vas-y, tu peux essayer de détruire l'immeuble, hein, il va pas s'écrouler. C'est ça qui est bien avec les vieux jeux. Hein. C'est que les immeubles, même si on leur balance la bombe H, ils s'écrouleront pas. Merde. Elle est collante, hein, celle-là. Ah, tiens, allez. Non mais oh. Ah, les munitions de fusil de précision, elles sont toujours au max parce que je m'en sers quasiment jamais de celui-là. Bon, bah c'est bien. Alors là maintenant. Oh non, mais il y en a encore une autre quoi, mais c'est pas possible. Je me casse. Oh, oh, ça fait mal ça. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Yannick! Punaise, c'est dégueulasse. Donc j'aurais dû rester dans la petite maison, au moins je le sais. Mais en plus de ça, je pense que je vais recommencer depuis le début, c'est cool. Punaise, c'est pas vrai. Bon, alors. J'ai plus de munitions là. Voilà. Hop.
Allez. Il est super le fourreur. Alors, par contre là. Merde! Valeur. Mais le beaux arts que c'est, mais c'est une folie. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est... Ah bah c'est bon. Bah ok, c'est passé. Bah... Nickel. Nickel, nickel. Alors, ouais. Bah j'ai fait du bordel. Bien reçu, on s'en occupe. Delta, où en est la compagnie A? Je ne vois aucun survivant. Ah oui, je suis tout seul. C'est quoi ça, englueur? Ouais, ça c'est la petite précision, ok. Faudrait quand même que j'ai le... Ouais, c'est moi, crâne rasé, calme, c'est moi aussi. Nul au jeu vidéo, tu peux dire aussi, je t'autorise. Ah, deux roquettes, ça c'est bien les roquettes. Moi je les veux les roquettes. Il va falloir faire le plein de roquettes. Voilà! Ouais, j'en ai 4, nickel. Je suis même plein. C'est dommage que je peux pas en mettre plus, hein, mais bon, j'imagine le poids d'une roquette, ça doit être énorme. Alors là, il en a 4. Mais plus tout son attirail. C'est ça qui est chelou, quoi. Il a je sais pas combien d'armes sur lui. Et bah non, il marche tranquille, quoi. Nous, en temps normal, on n'arrivera même pas à porter tout ça, quoi. Ne serait-ce que 3-4 armes. Et lui, il a carrément l'arsenal, hein, vous voyez. Il en a 8 quand même, avec les munitions qui vont avec, quoi. Le mec, il est balèze. Hein. Il doit avoir pas de problème de dos et tout, quoi. Je vais vérifier tous les étages. Voir s'il n'y en a pas qui traîne. Non, c'est bon. Ah oui. En plus de ça, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas mis des mines et des choses au sol. Je sais pas ce que je dois chercher là-dedans. Tout est cloisonné. Ah, c'est peut-être par là. Je vais aller chercher la vie qui est ici. Je crois que non, il y en a là. Je vais attendre. Je vais faire sa fête à l'autre d'abord. Ça fait mal, hein. Faut pas me chercher.
Bon, je vais me prendre une trousse de soins. Il y en a une là. Non? J'ai cru en voir une par là, mais bon, je l'ai peut-être prise. Hein. Ah non, elle est là. Tac. Il y en avait une ici. Allez, on est parti. C'est bizarre ce long couloir. Il n'y a rien. Ok. Bah il n'y a rien. Bon bah tant pis. Hein. On va aller voir ailleurs. J'entends du monde. Ah bah non, mais je suis déjà allé là. C'est ça qui est bizarre. Par où il faut aller? Il y a sûrement quelque chose qui s'est ouvert. Je sais pas du tout. Là, il y a du feu, tout ça, mais non, c'est pas là. Me l'a perdu, ça y est. En tout cas, je récupère des munitions nettoyeurs, c'est bien. Bah non, c'est pas là. Donc j'étais au bon endroit. Je pense que j'étais au bon endroit. Mais après, il y a sûrement un endroit à se faufiler. Un ennemi à tuer, je sais pas. C'est quand même bizarre. Je vais revenir par là. Que... Oh non, les petits recoins, ça sert à rien. Y a pas un pan de mur. C'est un comble, j'ai tué tout le monde, je sais pas où faut aller. C'est un fût de sac là. J'aimerais bien pouvoir passer. Non, mais je pense que le couloir là-bas, il était bon. Mais il y a un truc à faire. Je peux pas. Par où je dois aller? Je suis sûr, faut aller par là, quoi. Là, il y a le muret, mais... Non? C'est pas ici, hein. Il faut que je revienne en ville, mais... Putain, mais c'est quoi ce truc de fou? Je suis bloqué. Fine. Je pense qu'il faut que j'aille sur le toit de cette maison à droite. Il y a une petite phase de plateforme peut-être. Je vois la palette par exemple qui est ici. Ouais.
Je savais que c'est interdit de monter sur les doigts, les toits, c'est dangereux. Donc là, ça c'est l'endroit où je suis allé tout à l'heure. Les vilaines bébêtes. Bon bah c'est bon, je sais où est-ce qu'il faut aller. Je sais qu'il y a du monde, ils sont au taquet. Je vais aller récupérer un point de vie. Je sais qu'il y en a encore. Tac, super. Ok, donc là c'est pareil, il y a un fut-sac. Hey, hey. Vous ne voyez plus là, hein? Voilà. Ça queen. Peut-être pouvoir récupérer du foire là. Yes. Affirmative, Victor. Coordonnez votre action avec les forces américaines en approche par l'est de la tour et trouvez un moyen d'unifier le front. Bien reçu. Ça me semblait, on avait une. Salut Sayen! Comment ça va? Monsieur CTR! Ouais, ça va, je suis bien reposé là. Je suis bien reposé de ce week-end. Parce que j'ai une grosse semaine qui m'attend. J'ai un truc bien gore. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas pu faire de live du game du week-end cette semaine, ce week-end, parce que j'étais vraiment fatigué. Bah ouais, au final je t'ai vu plusieurs fois. Je dis bah je vais peut-être réussir à faire une partie de CTR avec toi. Un manque de bol. J'étais en mode CTR comme ce week-end. Hein. Oh, mais l'autre il me fout toute ma vie quoi.
Y a pas d'autre vie là? Ouais, ah ouais, d'accord. Alors moi, tu sais, j'ai vu ta photo, hein. J'ai vu ce que tu m'avais partagé. Je suis wow, déjà quand t'étais quasi à la fin du palier d'argent, je dis waouh. J'ai t'as dû torcher mon gars. Parce que pour aller jusqu'au palier enfin ce niveau-là, je dis waouh, t'as dû rusher à mort parce que bah, moi je suis au palier d'argent moi. Je suis au début, j'ai fait quoi, je suis j'ai réussi sur le palier d'argent, j'ai débloqué la petite l'autocollant là, le premier truc, c'est tout. Je suis rendu que là moi. Faut que je récupère encore de la vie. Et c'est quoi d'ailleurs le truc que tu débloques à la fin du palier d'argent? C'est quoi? C'est un autre perso encore ou... Ah, il y a un truc de document là. T'as deux défis à faire. Ah oui. Moi j'ai vu les trucs, je dis waouh c'est chaud quoi. Genre t'as vu aujourd'hui là, c'était la petite peluche, fallait gagner une course avec ah Coco Maléfique. Ah punaise, ça a l'air vraiment bien en plus. Mais là tu t'as réussi toi de gagner la course là en matchmaking en ligne là avec le... C'est le petit chaton je crois, c'était un chaton. Ah, faut jouer avec un ami. Bah moi j'ai vu matchmaking. Alors je dis bah c'est un truc matchmaking, c'est en ligne. Mais tiens, faut que je t'envoie un truc. Tu sais quoi, j'ai réussi à être premier hein, hier. En ligne. Première course, j'étais... Enfin, il y a une course, j'étais premier. Et c'est pas des conneries, j'ai la preuve. Je vais t'envoyer la photo si tu veux. La première course que je gagne en ligne, c'est énorme. Non, bah c'est bon. C'est pareil là. Ah ouais, je vais le grandir. Ah ouais, c'est quoi? Moi je la veux bien, hein, ton astuce. C'est le coup des deux manettes, ça se trouve, c'est ça? Là, j'ai déjà plus beaucoup de vie, quoi. Est-ce que je vais pouvoir la récupérer de là? Non? Bah non, je suis bloqué. Parce que moi je pensais faire là pour être premier sans se fatiguer, c'est affecter une deuxième manette avec un compte invité sur ta console et bah, jouer cette deuxième manette ferait le deuxième joueur et toi tu gagnerais sans problème quoi. C'était ça que je pensais faire. Alors j'ai peut-être raison, c'est peut-être ça que tu allais me dire. L'issue de la bataille semblait s'assombrir à chaque seconde. Nos tanks avaient tué des légions de chimères. Mais elles sortaient encore en masse de la tour. Les forces chimériennes nous tenaient en échec avec leur Goliath à proximité du Southwark Bridge. Le Tower Bridge étant détruit, toute retraite était impossible. L'équipe qui devait détruire le Southwark Bridge ne répondait pas. Ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'on entende le son des roquettes.
Alors là, ce qui est indiqué, c'est sur la glace, Tamise 9h38 GMT. Ou 9h38. Hein. Mais non, c'est 9h38. Bon, de toute façon, je vais pas le finir ce soir, hein, encore une fois. Ça va être en 6 vidéos, je vais le faire le jeu. Quand tu pars, tu pars. Ah ouais? Ah, faut que je fasse ça. Tu fais paramètres. Quand tu vas dans paramètres de la console, je mets. Eh, mais c'est bon, là, je suis en train de lire ce qu'on met sur le chat. Paramètres de la console, je vais déconnecter du réseau. Je vais essayer de faire ça. Là. Oh la vache! Ça pue là. Mais je savais pas, là ça peut être sympa aussi, effectivement. Faut que je le fasse. Après, faut réussir à gagner contre les bots. Parce que moi, c'est quoi, je me suis commandé une deuxième manette PS4 du coup. Bon, c'est pas l'original, hein, c'est 60 balles. Mais j'en ai trouvé à 25 balles sur Amazon. Bon, je m'attends pas à de la super qualité, mais je me suis commandé une deuxième manette en disant voilà. En faisant partie privée, je pense que je pourrais avoir. Surtout faire une partie avec un ami, quoi. Je sais qu'il y avait un. Il y avait un truc. Il y avait ça, et quand t'as personne en ligne, bah tu le fais. Moi je vois par exemple sur Nintendo Switch, j'ai personne qui l'a le jeu, donc ben c'est pour ça que je t'avais demandé l'autre jour. Peut-être que vu comme t'es fan, tu l'as pris aussi en version nomade. Ouais, ouais, quand le dernier coureur part. Quand il te dépasse en fait. Dès que tu passes 8e, tu. Salut Phoenix, ouais, je vais bien et toi? Passe un week-end. Ah, bonsoir Hugo. Comment il va Hugo? Comment vous allez? Ça fait plaisir de vous voir les gars. Quand le dernier feu passe au vert. Ah, quand le dernier passe au vert, donc je fais start. Ouais, parce que l'idéal c'est pas trop faire gris, parce que je sais pas les bots, ils sont paramétrés en quelle difficulté, mais même moi. Je suis pas non plus un balèze. Hein. Demain matin, je ne live pas, mon cher. Je suis en cours, moi. Je me lève, tu vois. Là, ce soir, par exemple, je vais pas. Je m'arrêterai à 10h30 maximum. Parce que je me lève le matin. Demain, les cours. Ah, toi. Ah, par un, Phoenix, toi, tu es un des ceux qui commencent le lundi. Parce que je vois que Eric et. Il y avait Eric et Zarok, celui qui commence mardi. Bah ouais, hein, faut bien recommencer les gars. C'est les gars, les filles. C'est comme ça, tous les ans, c'est pareil. T'as pas repris? Ouais, toi c'est mardi, Hugo. L'académie de Normandie, c'est le mardi peut-être.
Dans ta région, c'est demain? Ouais, bah comme la nôtre en fait. C'est l'académie de quoi toi déjà, Sayen? C'est l'académie de La Rochelle? Ou non, c'est peut-être pas La Rochelle, quoi. Ouais, mardi, donc ouais. Ouais, c'est soit lundi ou mardi en fait, hein. Y a pas de mercredi par contre. Zone A, d'accord, ok. Bah je pense que nous on est zone A aussi, Sayen. Enfin, je sais que moi ma fille elle reprend demain. Ah punaise. Je les aime pas ces bêtes là. Bon ouais, sinon les gars, enfin tout le monde, hein, demain je fais du BO1, hein, pour info. Dans 2 mois, encore des vacances. Ouais, bah ça, ouais, ça c'est... Ça c'est... Ah, pour toi Sayen ou pour les enfants? Parce que les enfants, c'est sûr qu'eux, ils vont y avoir droit, ouais, là, avec les vacances de la Toussaint, quoi. C'est la planque, hein, d'être étudiant, quoi. Ouais, pour les enfants. Ah, d'accord. Ouais. Et dans 2 mois, eh ben moi je serai. Dans 2 mois. On est quand là? On est le 1er novembre. Ouais, non, je serai en stage. Moi. Je serai en stage dans 2 mois. Moi. En fait, faut que j'attende qu'il soit rouge. Et 3... ouais. Et 5 mois, les vacances d'hiver. Ils en ont plein des vacances. Ils sont blasés, les étudiants, avec ça. Je vais peut-être récupérer de la munition. J'ai tout perdu. Y'a pas? Ils ont rien lâché quand ils sont... Ils m'ont tué, eux. Ah, si. Là, y a rien. Et toi, Sayen, les vacances, tu sais quand est-ce qu'elles seront les prochaines pour toi? Ah, c'est un fut-de-sac. Je me disais, c'est par là. Non, c'est par là, peut-être. Non. Ils auraient pu monter par là, hein, les mecs, hein, quand même. Bon, bah, c'est pas ici. 6 mois de vacances par an. Ah ouais. Ouais, ça, c'est... C'est pour ça, hein. Être instituteur, ça a pas que des inconvénients. Allez. Là, tu vas monter dans le TER ou toi? Munitions. Dégolia,
C'est pas faux. Certains, ouais. Certains, ouais. Je pense que le prochain point de sauvegarde, j'arrêterai parce que je me lève demain matin. Oh, punaise, c'est abusé ça. Je suis comment pour la dégommer moi cette tourelle? Ah si, je peux le faire ton truc là. Merde, ils m'ont baisé un point de vie. J'en avais là. Non, j'ai plus de mission pour les. Hop. Merci la vie. Bah moi, je m'y connais un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça dépend ce que c'est comme problème. Par où je dois aller là? Voilà. Ah mais ils font mal hein. Les gens sont fatigués de leur. Ah ouais mais c'est parce qu'ils réfléchissent, hein, tu comprends, c'est dur. Puis quand c'est une journée où il y a sport, laisse tomber, et c'est là où ils sont le plus fatigués. Ouais, bah bonne nuit Hugo. Eh, j'adore toi, Hugo là. Hein. T'as pas cours demain et c'est toi qui te barres le premier. Bah en tout cas, bonne nuit, hein. Merci pour ton passage. Et puis, bah si tu veux jouer demain, c'est du Black Ops 1, et sinon mardi soir, Black Ops 2. Hein, je vais mettre le planning après, c'est pour ça que je vais pas me coucher trop tard. Je vais pas m'arrêter trop tard pour vous faire un beau petit planning. Enfin, un petit planning sympa. Sachant qu'il y aura toujours jeudi, je ferai pas de live, hein, je vais garder le jeudi. Ouais, c'est... parce que j'ai une semaine bien dure. Moi aussi, c'est pareil, j'ai cours. Tu te lèves à 7h? Oh, bon. Bah, moi, je lève à 5h30. Ça fait rien. Après, ça dépend si elle est plus importante ou pas. Moi, je sais que, par exemple, ma config, elle pourrait avoir... Si je dis pas de conneries, mon PC pourrait tourner avec du 450 watts et j'ai mis du 550 watts. J'ai mis 100 watts supplémentaires et ça fait rien. Donc si la lime elle est plus puissante, c'est pas méchant. Enfin, ça dépend après si c'est des centaines et des centaines de watts de différence. Là par contre je m'avifierais, mais si c'est une centaine, c'est pas grave. Non, le soir tu joues plus, je regarde. Le mardi soir, bah il y a lundi soir si tu veux. Mais c'est pas grave Hugo, c'est pas grave sinon. Mais moi je peux pas faire de live l'après-midi, hein. Tu sais, je rentre chez moi, il est 7h. Parce que ouais. J'ai cours moi aussi, je retourne à l'école. Je retourne à l'école mais sans les vacances. Ok. Yes, bon bah c'est bon. Je vais m'arrêter là. C'est bien, je vais en garder pour mercredi. Je pense que je vais le terminer mercredi soir par contre le jeu.
Si tout se passe bien mercredi, je le termine. Mais je sais pas si je vais le faire en live, ça dépend. Je sais pas dit que je le fasse en live mercredi. Tu finis l'école à 18. 18h ou à 18 ans, t'as fini l'école, t'as arrêté l'école. Ça y est. Après ton apprentissage. Ah d'accord. Moi j'ai arrêté l'école, j'ai arrêté les cours, j'avais 21 ans. Après le bac, j'ai eu le bac et après j'ai arrêté. Je voulais pas faire le BTS, mais je voulais faire une formation, mais comme j'arrivais pas à trouver de patron, bah, je me suis mis direct en... Ouais, 18 ans. Déjà, 18 ans, ouais, t'étais pas fait pour les études, je pense. Bon, là, c'est écrit tueur de géant, Tamise, 10h55, GMT. Voilà, pour info, avant de quitter. Oh, super, en plus, ça commence bien, je vais dans une Jeep. Alors, ça sert à rien. Aujourd'hui, ça sert à rien, effectivement. Ça sert à rien, j'avoue. J'avoue que ça... Mon bac me sert à rien. La preuve, c'est que ma formation là que je fais, les cours, c'est niveau bac. Quoique, je les trouve plus faciles. Enfin, plus facile, non, ça dépend. Il y a un cours, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que là, je sais que j'ai 2 jours complets. Moi, c'est pas des heures de cours, c'est pour ça, c'est des journées de cours, moi. Je sais que là, j'ai, au lieu d'avoir 2 heures de cours, je vais avoir 16 heures de cours. Et là, c'est un cours qui est super compliqué. Ça commence demain, ça finit vendredi. J'ai 2 jours, lundi et vendredi, de cours qui sont compliqués. C'est pour ça que je peux pas me coucher trop tard pour être en forme, pour bien comprendre ce que c'est compliqué. Ouais, le boulot, ça s'apprend sur le tas. Là, j'approuve. Mais après, ça y est, les bases, tu peux pas forcément les apprendre sur le tas. Si tu veux des bonnes bases, après, pour aller évoluer, c'est bien d'avoir un petit quelque chose. Une petite reconnaissance au niveau de l'État pour dire, voilà, t'as des acquis. Mais sinon, ouais, c'est vrai qu'après, la pratique, tout ça, c'est complètement différent. La théorie, avec le métier, c'est complètement différent. Eh ben, bonne nuit à toi aussi, Phoenix. Merci beaucoup pour ton passage. Merci beaucoup à vous tous. Vous avez été nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Surtout que j'ai pas été présent ce week-end parce que j'avais besoin de me reposer. Merci beaucoup. Alors, je reviens demain. Mais pour ceux qui commencent demain, toi, Phoenix, notamment, hein, c'est toi qui commences demain. Il me semble que c'est toi qui commence. Alors, Kiku va plus jouer à CTR. J'ai même pas vu ça, tiens. Ça y est, pourquoi il va plus jouer à CTR, Kiku? Tu l'as rincé, c'est ça? Il me l'a pas dit. Hein. J'ai pas fini. J'avais pas fini de lire le truc. Paramètres réseau. Ok. Je regarde, mais je crois que c'est toi, Phoenix, hein, qui fait. Je te souhaite bon courage, mon cher. J'aurai une petite pensée pour toi pour demain. C'est la rentrée, je pense que ça va être pépère, hein. Tu vas prendre tes marques avec tes nouveaux camarades et tout ça. En tout cas, bon courage à toi. Ah ouais, ça le saoule. Ouais, bah après, je l'ai vu, j'étais sur son live tout à l'heure à Kiku et il est sur Diablo. De toute façon, c'est son jeu fétiche, Diablo 3. Donc je pense que c'est pas que ça le saoule vraiment, c'est qu'il a pas le temps. Quand tu vois tous les trucs qui se débloquent sur CTR tous les 15 jours, enfin tous les mois, ils font, t'as des persos à débloquer, tout ça, ça force à aller tous les jours à jouer. Sinon tu peux pas tout débloquer. Donc je comprends qu'en fait il en aimera aussi après. Il y rejouera peut-être, mais pas tout de suite, c'est sûr. Bah, en tout cas, j'y rejouerai, mais là, c'est vrai que ça m'embête un peu. J'ai pas pu jouer avec toi ce week-end. J'étais sur le point de t'envoyer, puis bah, les filles, elles avaient besoin de la télé, tout ça, machin. J'ai dit, ça va être trop le bordel. Du coup, j'ai joué sur la Switch. Heureusement que j'ai sur Switch. Voilà. Eh bien, c'est tout. C'est la fin de ce live. C'était la 5e partie de Résistance. Vous pourrez la retrouver mercredi. Alors je sais pas, encore une fois, je vais peut-être faire un petit sondage sur Discord. Mais c'est pas dit que je la fasse en live, que je vais peut-être plutôt la faire en léger différé, que je vais la charger sur la chaîne Twitch. Histoire de pas être trop devant le chat et avancer pour que le jeu soit terminé cette semaine. Mon objectif, c'est vraiment que le jeu il soit fini, parce que ça tarde un petit peu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Il est 10h30.
Bon courage à ceux qui travaillent, Sayed, bon courage à toi, bon courage à Phoenix qui reprend les cours demain, et puis bah tous les autres étudiants qui commencent mardi, bah peut-être qu'on se verra demain, donc je vous dirai ça demain, sinon bon courage à vous quand même. C'est tout ce que j'avais à dire. Demain, Black Ops 1, ouais, je vous le dis vite fait. Black Ops 1 demain soir 21h, 22h30. Black Ops 2 demain mardi soir 21h, 22h30. Et si je fais un live, ce sera Résistance 3 le mercredi. Résistance 1, pardon. Mercredi sur PS3. Voilà, et jeudi, pas de live repos parce que j'ai une grosse journée qui m'attendra le lendemain. Voilà, voilà. Et bah, bonne soirée à tous et à demain. Salut.
compris.